Le nouvel ambassadeur des États-Unis au Gabon a été reçu hier en audience par le président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mboronzo. Au menu de cet échange, la coopération institutionnelle entre le Gabon et les États-Unis. Max-Olivier Obam, Nsam Iyogo. C'est au nouveau siège de la Cour constitutionnelle où le diplomate américain a été reçu. Cynthia Hélène Akwete, nouvellement accréditée dans notre pays, est allée faire un tour d'horizon des questions d'actualité avec Marie-Madeleine Mboronzo, notamment le processus électoral au Gabon et surtout le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Une rendez-vous très très importante et où elle a parlé beaucoup de le rôle de la Cour constitutionnelle, l'indépendance et aussi le processus pour les élections ici. J'ai appris beaucoup, c'est un rendez-vous très très instructif et avec beaucoup d'informations, beaucoup d'enseignements. Bon, nous allons chercher les moyens de travailler ensemble parce que maintenant elle fait un grand rôle très très important pour le pays parce que le corps constitutionnel c'est pour une démocratie c'est important d'avoir un corps qui est indépendant. L'ambassadeur des États-Unis a examiné également avec madame le président de la Cour constitutionnelle les questions de coopération institutionnelle entre la Cour constitutionnelle du Gabon et la Cour suprême des États-Unis, notamment pour un échange d'expériences.